Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire, cette fois-ci sur Amelkysix 365. Je vais attendre encore 1 à 2 minutes maximum pour qu'on ait un maximum de personnes. Voilà, donc dans 1 minute. Alors, je vais pouvoir commencer. Donc, rebonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre complément Amelkysix 365, donc, qui se connecte directement à l'application de Microsoft Excel et qui va vous permettre de restituer simplement et de récupérer vos données de notre application principale Amelkys EPM. Voilà, donc petite présentation pour ma part. Donc, je suis Julien Breton, je suis chef de projet, donc je suis responsable produit d'Amelkysix 365 et plus particulièrement des compléments Excel en général. Voilà, si vous avez des questions évidemment durant ce webinaire et cette présentation, n'hésitez pas à les poser et je pourrai y répondre à la fin de toute cette petite présentation, plus la démo que je vous ferai à la fin. Alors, le sommaire, très simple, hein, on va passer par la plus grande étape, c'est-à-dire les prérequis à l'utilisation d'Amelkysix 365. On passera ensuite par pourquoi choisir cette application. On va voir ensuite les grandes étapes, comment on conçoit une rétrieve, un exemple évidemment, et cet exemple, on pourra l'illustrer notamment directement via l'outil. Voilà, pour terminer ce webinaire. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, je pourrai répondre à des questions s'il y en a. Donc la première partie, donc les prérequis à Amelkysix 365. Alors comme je vous l'avais expliqué, c'est une formule, vraiment c'est l'utilisation elle est directement sur Microsoft Excel. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient interroger directement notre base de données EPM. Voilà, donc ça va vous permettre de récupérer tous ces montants, ces états, directement dans cette application. Donc les états, les rapports, évidemment, vous pouvez faire des analyses en temps réel, puisque ce système de requête est en temps réel, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur le bouton pour rafraîchir la donnée, la requête elle se fait instantanément et on récupère les montants de la base. Donc évidemment, vu qu'on est sur Excel, vous aurez la possibilité de créer vous-même une mise en forme personnalisée, des KPI, etc. Et de faire vos plaquettes à vous, que ce soit, voilà. Nous, on met aussi en place des plaquettes qu'on dit standards, donc normes françaises ou IFRS, qu'on met en place et qu'on donne accès aux utilisateurs, donc ils peuvent simplement les utiliser ou alors capitaliser dessus pour faire leurs propres plaquettes personnalisées. Donc évidemment, après, bon, on a tout le système de masquer, etc. Donc ça, c'est les fonctionnalités vraiment propres d'Excel. Donc nous, ce qu'on vient faire, c'est vraiment donner la possibilité aux utilisateurs de récupérer leur montant présent sur EPM et qu'ils puissent en faire un peu ce qu'ils veulent ensuite sur l'application. Voilà, donc l'utilité de la rétrieve, évidemment, donc c'est on passe très très peu de temps dessus, hein, voilà, on passe quelques minutes pour la construction si on est sur l'état standard, et ensuite évidemment si on veut le porter un peu plus loin, on a la liberté de le faire. Et surtout qu'on peut mettre vraiment à jour nos rapports en quelques clics. Hein. On parle de quelques secondes, voilà, vous avez la possibilité de vraiment d'avoir un aperçu et d'avoir un suivi de tous vos chiffres. La connexion entre Excel et EPM est vraiment extrêmement rapide et elle est tout à fait voilà, vous pouvez être tout à fait autonome dessus, puisque vous avez la liberté de faire ce que vous voulez dessus. Voilà. Donc l'utilité de la rétrieve, donc voilà. Faire un petit peu un récap de tout ce que je viens de vous dire, la possibilité de faire des plaquettes, reporting, donc là on parle de bilan, PNL, etc. Évidemment, on parle de tous les montants, hein, que ce soit du montant, les montants locaux, sociaux, on va jusqu'au évidemment au consolidé. Donc tout ce qui est présent sur EPM peut être récupéré directement sur Amelkysix 365. Voilà. Donc comment on se connecte?
Alors, c'est très simple. De toute façon, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, dans une dizaine de minutes. On passe directement par le Microsoft Store. Donc, c'est-à-dire que on a déposé un manifeste, donc qui est un petit peu le, si vous voulez, le document par lequel on se connecte, via Microsoft. Bon, ça tombe bien puisque Microsoft est l'éditeur de logiciels d'Excel, ce qui nous permet de le distribuer extrêmement facilement, à nos utilisateurs. Donc en quelques clics, vous avez la possibilité d'accéder au store, de l'ajouter et de l'utiliser. Voilà, donc c'est notre tout nouveau module qui est utilisable. Alors pourquoi choisir MLK 6365? Alors évidemment, la simplicité, c'est-à-dire que voilà, vous avez auprès d'un simple appel, vous pouvez contacter votre commercial ou directement le support et demander d'avoir accès à MLK 6365. Donc en quelques clics, nous, on vous donne accès à ce logiciel. Et voilà, vous l'installez juste derrière, vous avez accès aux plaquettes standard et vous pouvez récupérer vos chiffres en temps réel depuis EPM. Donc évidemment, avec la simplicité, on a aussi la rapidité. C'est extrêmement. On parle d'une dizaine de minutes, hein. Voilà, vous contactez le support ou votre commercial. En une dizaine ou une quinzaine de minutes, vous avez accès à ce logiciel et vous pouvez récupérer vos montants. Donc évidemment c'est complet nous on a toutes les formules qui sont présentes sur Microsoft Excel, qui est déjà un très très gros logiciel, et nous on vient ajouter nos propres formules qui ont été créées sur notre complément. Donc voilà, c'est pour compléter toutes ces possibilités sur le tableur. Et ensuite évidemment, bah, vous êtes autonome, hein. Nous on vous donne simplement accès et vous pouvez faire exactement ce que vous voulez avec. Vous avez une liberté totale de créer vos états, même de modifier des états dits standards. Voilà, vous pouvez calculer des impacts, gérer des événements, des cas particuliers, etc. On est vraiment sur ce cas-là, sur ce cas de figure. Pour les quatre, voilà, pour les quatre gros points de pourquoi choisir MLK 6365. Donc, dans cette partie-là, on va voir comment on peut concevoir vraiment dans les grandes lignes, hein, une retrieve. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ensuite, on va passer ça par vraiment un exemple concret que je pourrais notamment vous démontrer dans la démonstration à la fin. Alors, voilà, le premier terme, la simplicité, évidemment, pour créer des états basiques, vous allez voir, ça prend quelques minutes. À noter qu'on reprend le principe de dimension qui est présent sur EPM. Voilà, c'est ce système de lettres avec ses axes, notamment les axes principaux, dits du reporting, de l'exercice, des rubriques, du flux et évidemment de la version de consolidation si on veut récupérer les montants consolidés de notre base. Évidemment, si on est sur les montants locaux ou sociaux, on ne prend pas en compte cet axe-là. Donc voilà, les quatre éléments minimum pour récupérer les montants. Vous allez voir, c'est très simple. Là, on a l'exemple concret. Donc, on a placé nos quatre axes, comme je vous ai dit précédemment, la version, le reporting, le flux et les rubriques. Et ensuite, avec l'aide d'X365, on va créer des formules. Donc là, à votre écran, vous pouvez voir la formule qu'on appelle consdata. C'est très simple, hein, c'est pour consolider data, quoi, pour permettre à la base de données de récupérer le montant qui est propre à ces axes-là. Voilà, et ensuite, dans un tableur très classique, vous allez pouvoir tout récupérer. Voilà, donc si on rentre un peu plus dans le concret, vraiment dans l'application, dans la liste des axes, vous retrouverez la même logique qu'on a sur EPM. Donc, ces axes, les axes en rouge, dit les axes principaux, et évidemment, après, les axes secondaires. Donc, vous retrouverez tous les axes, tous les critères, tout ce qui a été créé sur EPM, vous le retrouverez dans X365. Voilà, donc évidemment, la simplicité. Donc, vous avez la possibilité de copier-coller des formules, puis de changer les axes, faire de la saisie directe, hein, dans la formule, hein, si vous voulez ne pas passer par X365 ou modifier vos formules. La possibilité de refresh. Vous allez voir, en quelques clics, on peut rafraîchir jusqu'à des centaines de milliers de cellules en quelques secondes. Et voilà, on a aussi l'utilisation de l'assistant add-in et tous les états de retrieve qui sont, comme je vous avais dit, les états standards déjà existants, de capitaliser dessus. Donc on va prendre un exemple concret que je vais reproduire ensuite dans le complément et je vous montrerai évidemment un peu plus pour pousser la démonstration un peu plus loin. Donc on va prendre des exemples concrets, voilà, donc on va choisir une rubrique
sur le P12000, voilà, par exemple, on va prendre un code reporting CS 2021.12, on va prendre le flux de clôture, le flux 99. Voilà, donc si je veux une version, enfin des montants consolidés, je veux aussi placer une version pour récupérer les montants, puisque là, c'est obligatoire. Voilà, après à noter, hein, évidemment, on a tous les autres axes qui rentrent en compte, que ce soit l'entité, le pays et l'activité, tout ça, on peut faire le croisement directement dans le tableur, qui va nous permettre vraiment de sélectionner le montant que l'on souhaite obtenir dans notre cellule du tableur. Voilà, donc on peut prendre notamment d'autres entités que je vais vous montrer juste après dans la démonstration. Donc évidemment, on reprend le système de regroupement et de critères qui est présent sur EPM, c'est-à-dire que si vous avez créé un critère notamment pour, je sais pas, pour votre SIG ou un critère particulier pour calculer votre EBITDA, et voilà, c'est le critère, je sais pas, numéro 25 sur votre table, évidemment, vous avez la possibilité via nos formules de récupérer ces regroupements-là et de les utiliser dans X365. Donc voilà, donc je vous ai fait la petite présentation de pourquoi choisir notre outil et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Maintenant, on va passer évidemment au concret. Donc je vais vous faire une démonstration directement de l'outil sur mon ordinateur. Alors, je vais basculer directement sur Excel. Donc vous voyez, on est sur une version d'Excel très classique. Donc quand on vient se connecter ici dans les compléments, voilà, si je reviens sur la page que je vous ai montrée dans ma présentation, vous avez la possibilité d'avoir accès directement en quelques clics, comme je vous l'avais dit, à l'installation du complément. Donc c'est le tout premier ici, la Mulkis X365. Bon là je l'ai déjà ajouté, mais en quelques clics, il s'ajoute ici. Voilà, on a un Mulkis X365 qui vient de s'ajouter aux différents menus d'Excel. Voilà, donc les nouveaux compléments s'affichent de telle manière, c'est une page web, voilà, sur votre droite, comme ça, qui s'ouvre. Et vous avez la possibilité de vous connecter via le portail, donc le portail qui est utilisé sur toutes nos applications, qui permet d'unifier vraiment la connectivité à l'ensemble du parc applicatif. Voilà, donc je viens me connecter tout simplement avec mon adresse mail, mon mot de passe et mon numéro d'identifiant client. Voilà. À noter qu'on a aussi la possibilité, si certains d'entre vous se posent la question, de se connecter directement via le SSO. Hein. Donc là, si on se connecte via le SSO, on rentre pas tous ces paramètres-là. Donc là, je clique sur Continuer et voilà, je me suis connecté directement à l'application et je retrouve les différents menus. Alors, je vais agrandir pour qu'on puisse voir un peu mieux et épingler. Donc, on se retrouve avec les différents menus présents sur l'application. Et ils ont été réfléchis d'une telle manière à aller étape par étape. Donc la première étape, évidemment, on a vu lors de l'exemple, c'est la liste des axes qu'on retrouve aussi sur EPM. Donc évidemment, ça va être d'insérer des axes sur notre tableur pour ensuite définir des fonctions. Donc dans mon exemple, je vais pouvoir cliquer directement sur la ligne ici et je vais rentrer dans mon axe des reportings. Si j'augmente au max, je retrouve tous les exercices, les reportings qui sont présents sur ma base EPM. Donc, si je prends mon exemple, on a dit qu'on prenait CS 2021.12, je sélectionne la ligne, je clique sur la double flèche. On peut voir de l'autre côté, dans l'autre tableau, qu'il a pris la position D6 et qu'il a bien sélectionné la valeur CS 2021.12. Voilà, donc je vais pouvoir insérer la valeur et on peut voir, voilà, c'est vraiment un assistant au lieu de tout taper à la main. Voilà, on peut CS 2021.12, si on le fait une fois ou deux fois, ça va. Mais si je prends l'exemple des rubriques, si vous devez taper toutes les rubriques à la main, ça peut être très long. Et avec cet assistant, c'est beaucoup plus simple. Donc évidemment, je prends une version de consolidation. Donc je prends ma première, celle-là notamment. Hop, je vais prendre un flux. Donc je vais prendre notamment, pourquoi pas le flux de clôture, par exemple, le flux 99. Et vu qu'on est sur un tableur, on est sur de la double dimension. Là où je vais déterminer la formule, ça va être au niveau du croisement. Donc en général, là j'ai mis trois axes au niveau de la colonne. Et ensuite, si je veux faire le croisement, je vais mettre mes rubriques au niveau des lignes. Donc là, je vais prendre comme mon exemple. Voilà, donc je vais taper directement ici le P12000. Je vais le récupérer, le résultat net, je le passe de l'autre côté et je fais insérer les valeurs.
Voilà, donc là j'ai déterminé mes quatre axes et je vais pouvoir évidemment définir ma formule. Alors, c'est très simple, je vais sélectionner mes trois axes ici, je vais cliquer sur les trois petits traits de la colonne, on peut voir qu'il a bien sélectionné de D6 à D8, donc il a récupéré mes trois cellules. Je vais faire la même chose pour la ligne, je clique sur ma ligne, je clique sur les trois et il a bien pris B10. Ensuite, évidemment, si je veux sélectionner le montant, je peux prendre le montant consolidé ou les autres. Bon, dans ce cas-là, j'ai mis une version, donc je vais prendre le montant consolidé. Et je vais cliquer sur définir. Voilà, donc là, on peut voir que j'ai un petit zéro, évidemment, parce qu'il vient de me déterminer la formule. Donc si je clique à l'intérieur de la formule, on peut voir qu'il a sélectionné les quatre axes que j'ai créés. Et c'est avec ça qu'il va pouvoir faire une requête auprès de notre base de données pour récupérer le montant ciblé. Voilà, donc je suis bon au niveau des axes. Je vais passer au deuxième menu, le menu rafraîchir. Donc j'ai la possibilité de rafraîchir uniquement les cellules sélectionnées, toute la feuille ou tout le classeur. Évidemment, si on a une dizaine de pages, on ne va pas s'amuser à faire feuille par feuille. Le plus simple, c'est vraiment de ra tout rafraîchir d'un coup. Donc là, on va prendre la feuille. Ouais, vous voyez, en quelques clics, voilà, j'ai récupéré mon montant directement de ma base qui était présent là-dessus. Pour le menu rafraîchir, alors on a d'autres menus évidemment qui sont présents dans le complément. Si je vais sur le menu zoom, donc qui est aussi présent sur Amilkis EPM, donc là lorsque je clique sur ma cellule, j'ai un zoom par audit et entité. Donc voilà, donc là je peux voir tous les audits qui ont été, qui sont rattachés à ce montant-là. Et si je veux, voilà, j'ai un système de hiérarchie. Et là, je peux voir toutes les entités qui sont prises en compte, dans ce calcul. Alors, si je le veux de l'autre sens, plutôt les entités, après les audits, voilà, j'ai toutes les entités, présentes. Donc ça, c'est pour le menu définir. Alors évidemment, si on veut aller un petit peu plus loin, moi je veux faire rentrer un autre axe que mes quatre axes dits obligatoires, je vais prendre l'axe dit des entités. Voilà, donc sur EPM, voilà, sur HM, on prend l'axe Y et je vais utiliser une formule qui s'appelle XX Périm. XX Périm, c'est une formule d'expansion qui va permettre de récupérer toutes les entités qui sont présentes sur mon périmètre. Hop, je vais faire entrer, donc là je viens de la déterminer. Évidemment, il faut que je vienne modifier la formule parce que lui, il n'est pas au courant que je veux rajouter cet axe. Hop, je vais venir ici, je vais faire point-virgule et je vais sélectionner la nouvelle cellule et je fais entrer. Donc là, évidemment, là je viens de lui déterminer dans la formule que j'ai pris le nouvel axe en compte. Par contre, il faut que je rafraîchisse la donnée pour que le tableur recalcule ce montant-là. Donc je vais cliquer sur feuille et voilà, ça va me calculer. Enfin, on peut voir cette formule d'expansion, comme je vous avais parlé, de toutes les entités qui étaient présentes sur mon périmètre, en prenant en compte évidemment les autres axes. Donc ce reporting, cette version, ce flux et cette rubrique. Donc là j'ai tous les montants de sur mon P12000 sur toutes mes entités. Donc ça évidemment ça permet de gagner un temps fou, puisqu'au lieu de taper entité par entité, j'ai juste à taper une formule d'expansion et je peux tout récupérer. Voilà pour les principaux. On a d'autres axes, évidemment, si on veut aller récupérer notamment d'autres critères, on a évidemment la possibilité. Si je prends un autre exemple sur mes axes, on va prendre l'axe des rubriques. Hop, je vais aller directement dans mon menu restitution. Hop, alors, je vais taper directement à la main. Donc, je vais mettre A parce que je veux avoir une rubrique. Je vais faire XXCrit somme. Donc, c'est là où je vais faire la somme de ce qui m'intéresse. 0,4, donc c'est le numéro 4 de mes critères présents sur ma base EPM. Et ensuite, je viens lui indiquer quel code je veux. Donc là, je prends cet exemple-là, BC par exemple. BC. Je vais aller dans le menu définir. Je vais lui dire que je récupère tout ça en colonne. Je prends ça en ligne. Évidemment, je prends un montant consolidé et je fais définir. Donc là, il a bien défini mon 0. Je vais juste ici, sélection, et je rafraîchis. Et voilà, il a récupéré toutes les rubriques qui sont rattachées à ce numéro de critère et à ce code avec ces axes-là.
au lieu de décrire toutes les rubriques qui sont présentes dans ce critère-là, d'en faire la somme sur Excel. Voilà. La possibilité, en quelques clics, vous avez vu, de récupérer les montants qui sont présents sur ma base EPM. Alors, si on va un petit peu plus loin, évidemment, on a un catalogue des fonctions qui sont présents. Donc voilà, si vous les souhaitez les utiliser. Et si on va encore un petit peu plus loin, je vais pouvoir vous montrer les plaquettes standards qui sont présentes pour nos utilisateurs. Hop. Alors, si on prend les plaquettes, voilà. Donc ça, c'est les plaquettes dites standards Retrieve FR 2020. Voilà. Donc si je viens me connecter directement à mon application. Il va être très rapide, hein, vous allez voir. Donc je viens de déterminer directement mon exercice de clôture, d'ouverture et mes versions de conso. Et ensuite, j'ai tous les onglets qui sont présents, que ce soit la partie bilancielle, résultats, TFT, capitaux propres. Et vous allez voir qu'en quelques clics, je vais sur le menu rafraîchir, je rafraîchis les données sur la feuille, ça me rafraîchit tous mes montants. Donc j'ai tous mes montants à jour, celui-là il est vide, on peut le voir. Hop, en quelques clics, je récupère vraiment tous les montants. Donc là j'ai mon TFT à jour. Évidemment, si je vais sur mon ici et je veux pas le par exemple, je veux être sur 2023-12 et je veux être sur 2022-12 ici, je vais uniquement modifier ma home page avec mon reporting. Je retourne sur mon bilan, je rafraîchis la feuille et tout se met à jour. Voilà, on a tous les chiffres à jour. Donc évidemment, j'ai la même fonctionnalité. Si je vais sur ma fonctionnalité Zoom, moi, je veux voir directement, je ne sais pas, cette rubrique, telle et telle rubrique. Voilà. Pareil, je vais pouvoir récupérer quelle société est prise en compte, quelle entité, avec quel IAS. Donc, c'est tout ce qui est mis en compte et c'est la rubrique standard, enfin la plaquette standard, pardon, directement donnée aux utilisateurs. Voilà pour l'application MLTX 365. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, j'ai accès au chat, donc je vais pouvoir les lire. Si vous en avez évidemment dans le futur, n'hésitez pas à les poser aussi via cette adresse-là que je vais vous montrer. Voilà, amelkis-solution.com ou via ce numéro de téléphone, donc à nous contacter. Voilà, n'hésitez pas, on est disponible et on peut répondre à toutes vos interrogations. Je vais voir s'il y a des questions. Je reste évidemment disponible quelques minutes si vous souhaitez les poser. Et sinon, eh ben, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et merci pour votre attention.